Et deux mouns yo présenté comme antenne gang griffe dans Savien qui jeune arrestation au jeudi au niveau la police dans Kafoupey. Parallèlement gen deux et gen maman gang ça qui accusé pour être assassiné hier mercredi après-midi donc chez Snell Etienne alias Romain localité Kafou la ville route nationale numéro 1 Téon font encore bloqué jeudi ça c'est habitant dans localité Moropey qui était toujours un objectif pour forcer autorités concernées ont démantelé et gang griffe la Guiliano, c'est facile. La police mettait en bas code des individus dans la zone Kafoupey. Moun zone nan accusé yo comme antenne base gang griffe qui ne savient. Dans l'après-midi mercredi 5 août 2021, gen Chesnel Etienne alias Goben qui mourit assassiné dans la zone Kafou la ville, localité Chita dans la première section de Rivière la Tibonite. Information fait quoi? C'est bandit base gang griffe qui t'a commis le crime ça. Route nationale numéro 1 est bloquée l'autre fois encore au niveau Moropey matin jeudi 6 août 2020. C'est dans environ 2h30 l'arrivée débloquée et d'après information yo l'a tourné bloqué encore à 6h30 à soir. Mouvement bloqué route nationale là fait dans l'idée pour exiger l'état haïtien pour responsabilité avec insécurité côté bandi exam pas suspendre terroriser population dans vallée la Tibonite dernier temps ça yo. Guiliano, c'est facile. C'est Mac. Radio Vision 2000. Et toujours dans le chapitre insécurité à Guiliano, c'est facile. Il y a un gros temps ce qui était régné. Jeudi, à la Chambellan, côté de la Catouche, on était capable d'attendre. Il y a un monde qui mourit. Il y a un porte à Mériac, tribunal de Pierre qui était fermé. Route principale a été bloquée. C'est un série qui fait à cause d'un groupe monde qui a contesté le fait qu'il y aurait conduit cartel municipal qui est en tête li, Léo Laroche, Jean-Garry Joseph. Yon moun mouri, mairie ak tribunal de paix commune Chambellan fermé, route principale lan bloqué, marché public pa ka fonctionner, mette sous coup de zam kap tiré nan zone nan. Situation sa arrivé à cause d'un groupe moun ki pa d'accord pour conduire cartel maïsia qui était là déjà. Maïsia principal commune Chambellan, Léon Laroche, dénoncé délégué départemental nan Jean-Claude Bontan ak la police li di ki pa prend disposition pour établir l'ordre ak sécurité nan commune nan. Pendant le fait qu'on est, il y a plusieurs nègres armés qui sortent ou à Jérémy dans Port-au-Prince pour venir renforcer le groupe armé. Dénoncer une série de bagailles qui a passé dans le département de Grand-Anse, surtout là, quand moi, dans la commune Chambellan. Dans la date 7 juillet, le président sorti a arrêté côté il reconduit le conseil municipal de Chambellan. Deux jours après, il y a deux individus qui viennent avec deux armes manches longues, ils ont fermé la mairie. Nous ne connaissons pas déjà sous qui l'autre a agi. Trois jours après, délégué a monté Chambellan, il fait une rencontre côté de former un cartel. Eh bien, depuis l'ESA, désordre régné Chambellan. Côté nèg avec ZAM, a fait la pluie et le beau temps. Nèg sa yo, son sec de nèg qui était dans WAP Jérémy, Mécanor mette de yo, qui vini Chambellan, qui a agi sous l'ordre délégation. Parce que si ce n'est pas sous la délégation d'Abagi, il n'y a pas d'abri de faire une rien. Et deuxièmement, le délégué n'est pas capable de monter Chambellan pour le président faire une sortie. Ils ont arrêté, de même pour gagner l'autre bagaille qu'il veut faire comme super délégué. Nego tellement bandit, gon ti machin qui pas la chante tabac. Samedi passé dans Marie, yo tuel. Mercredi passé, yo conseil que mettez en bagarre avec papa. Hier après-midi, yo tiré sous sous-commissariat. T'es gagné trois policiers qui t'a fait patrouille, yo tellement puissant, c'est eux même encore. Cachez les policiers qui mènent dans le commissariat. L'important pour nous faire remarquer, jeudi 6 août 2021, il y a beaucoup d'âmes capturées dans la commune de Chambellan, ça qui la cause, toute activité pas fonctionné. Depuis Jérémy, Jean-Garry Joseph, Vision 2000. Et c'est dans le contexte à Jean-Garry Joseph, plateforme organisation haïtienne pour droit mouna POHDH organisé. Et jeudi ça, il y a une conférence débat sous thème analyse sous situation démocratie et droits humains dans le pays d'Haïti de 1986 à date. C'est pour plateforme nantes évaluer démocratie par rapport à fonctionnement gang armé dans le pays selon Fred Agen, une responsable POHDH. Madame Sabine Maniga, qui professeur Ilionor Louis, qui est deux principales intervenants conférence et professeur Louis qui t'a intervenu sur gangstérisation pratique politique et liberté publique dans le pays d'Haïti. Profiter montrer préoccupation gagnée concernant un rapport qui existait entre groupe armé et dirigeants politiques, ce qui a par conséquence néfaste sur la vie citoyenne. Fouet Jacques, professeur Ilionor, lui. C'était garder évolution situation depuis 86 jusqu'à aujourd'hui. Évolution démocratie. Et nous t'es gardé sous deux questions.
D'abord, c'est par rapport à question gangyo sous yon point, et ensuite par rapport à question, m'ta dit droit moun, droit économique, politique, social sous un autre point. Donc c'est sous deux points ça yo. Là nous finir c'est l'idée, ça nous joue. Et faut me dire que deux interventions ça yo t'es très intéressant. Premièrement sous question gang. Et gang sont bagaille qui viennent à la mode du jour. C'est comme si le cadeau gang pas existé et puis subitement li paraît devant. Or gang sont bagaille qui existait depuis longtemps, mais développement li vinn prend et ici en Haïti a fait comme quoi c'est avant hier li paraît. Or gang yo gagne toute histoire yo que ou capable suivre. Donc c'est un peu histoire ça que professeur a évoqué pour déboucher sous gangstérisation actuelle là qui montre nous poko fin comprendre tout ça gang yo gen la dan nous poko fin étudier analyser vrai phénomène gang yo. Donc c'est ça nous gagne pour nous faire journée jodi a nan chercher comprendre rôle social gang yo, qui rôle yo ak l'état, qui rôle yo ak société civile et qui jan nous-mêmes nous capable réagir par rapport à gang. Intervention nous te porter sur gangstérisation, pratique politique et liberté publique en Haïti et particulièrement à Port-au-Prince. Moi été garder ouais et réalité question gang nan dans pays a et de plus en plus nous ouais et gagnent on sorte de alliance, on sorte de rapport de connivence ou ben de complicité qu'a développé entre dirigeants politiques yo et gang yo. Et là ça a été interpellé nous pour nous dire que c'est un bagage extrêmement inquiétant, extrêmement dangereux et surtout dans période de fin de règne, de fin de régime et d'ouge élection. Et nous connaissons un concept qui est le concept de gang électoral. Il est fort probable que de stratégie, de rapport avec alliance avec des gangs comme ça capable de conduire nous et vers des horizons sombres, des horizons obscurs. Maintenant, alliance et ou même qui a suivi évolution situation, quand elle commence, c'est à partir de pouvoir ça ou bien t'es là déjà? Écoutez, t'es toujours un rapport entre gang et politique. Bon, dans le cas là, quand nous en Haïti, c'est pas seulement avec des leaders politiques que gang yo mais des autorités politiques et au pouvoir que gang yo gen rapport. Il est clair que yo gen rapport avec de monde qui est élu parce que nous songe gen non plusieurs monde et dans pouvoir qui cité qui un rapport avec gang, qui un rapport, il y a des sénateurs accusés qui dans kidnapping, qui un rapport avec gang, il y a des sénateurs accusés qui gagne kay côté a kidnappé monde, il y a des présidents qui dit oui que moun gang yo balé comme allié, ça allié yo. OK, mais gang yo gagne des rapports avec de monde administration publique là, yo gagne des rapports avec des entrepreneurs parce que de plus en plus yon nan bagaille qui comme réalité, comme caractéristique de réalité que nous gagne n'importe quoi. C'est qu'il y a des gangs qui a transformé en fondation. Yo dit qu'il y a faire le social. Machine sécurité a continué si mèdèy nan mitan population an. Bandi fè sa yo vle ak sa yo pito. Autorité policière yo paraît impuissant. Gang a popéré, katouche ap si maye tribo babo. La vie moun pa représente rien sou boute si la. Yon situation ki préoccupe Nero, New England Human Rights, conseiller bureau central Nero à Jérôme Philippe, pa manke mo. Pour exprimer qu'est cassé le face à monter phénomène cela. Chaque fois nous faisons la caille nous, chaque fois qu'on monte la caille, chaque fois moi-même ou n'importe qui nous faisons la caille, donc on n'a pas aucune garantie que la tourne la caille. L'école a prouvé lundi, comme on parle de l'école, mais n'a pas de personne qui est capable de dire à 100% que tu as fait à rentrer. Non seulement l'insécurité prend forme ça, mais prend forme qui quotidien. Nous vivons chaque jour avec l'insécurité ça, nous avons des difficultés. Défenseur doit mouna inviter population à lever campé pour arriver freiner escadron la mort qui planait sous pays. Est-ce que Napton que bagaille arrive nous prendre nos retours, c'est que on est pas fait. Dans toute société, dans tout pays, nous constatons aujourd'hui là que l'État accompagne les citoyens. Et une conséquence directe COVID-19 là, c'est que l'État obligé à accompagner les gens. Ici, il n'y a pas aucune mesure qui prend pour accompagner les gens. La vie est impossible, la vie est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que faut nous capable au moins lancer cri d'alarme ça. Mon a mori passé par là, porte la justice fermée, ça qui la cause drapeau insécurité a monté piro chaque jour passé. Jim Alexandre Prévillon mandé autorité concernée pour prendre responsabilité. Une insécurité qui gagne dans le système justice, c'est ça le cap nous relé
l'impunité. Dans les gens nous avons vivre là, je ne veux dire dans le pays, et bien situation d'impunité c'est augmenté ou augmenté. Gagné depuis plus de 2 ans, grève à répétition qui gagne dans le niveau justice. Tantôt c'est les magistrats debout, tantôt c'est au niveau des magistrats qui toujours gagnent des revendications et qui c'est des revendications qui justes. Et greffiers et huissiers, grève ça qui retourne je dis là. Je ne veux dire là, si on a un problème. Ou besoin constat un juge de paix, c'est un bagage qui a un véritable calvaire parce que juge de paix n'a pas qu'à déplacer sa greffier et greffier en grève. Et depuis plus de 2 ans, pas grand jambe qui fait pour capable résoudre le problème ça, pour permettre moun yo capable gagner accès à justice. C'est tout secteur qui passe suspend les vivre royaux contre monter phénomène d'insécurité. Il y a une série de cris qui t'a semblé arriver dans les oreilles pour voir en place là. Président République Lanay en tweet fait qu'on a un l'ordre formel qui passait pour adopter bon jambesi pour permettre la population si qu'il est libre dans le pays. Jean Prouvel a dit, premier ministre ça, c'est une fait respecter c'est un lot. Si tous les nous considérés, même policiers pas épargnés en bas bal bandit, ce qui gagne entre certains chefs gangs et une série gros chabrak dans l'État.